Vous êtes là? Salut! On est parti. En fait, on est parti. Ça nous a pris comme ça, on a fait live, on a dit tiens, on part, vas-y, on est parti, on est parti, on est parti. On nous a dit ouais, attention, plus de gasoil et tout. Oh, on s'est pressé, on a été mettre 300 euros de gasoil. En fait, on a mis du gasoil nickel. Ah, j'ai un caillou dans ma chaussure. Et voilà. Je rentre vite fait, on s'est arrêté cette nuit à 2h du matin, je sais même pas où on est, tu sais, toi? Ah non, j'étais tellement fatigué hier. J'ai trouvé un. Une petite aire sur Park at Night. Park Fortnite, ouais, on a le droit de dire que Park at Night, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'ai rien dit. Et regardez où est-ce qu'on s'est posé. Un petit lac, c'est sympa. Je pense qu'on est vers Cholet en fait. Ouais, c'est ça, on est vers Cholet. Alors après, est-ce qu'on est avant Cholet ou après Cholet? Je pense qu'on est un tout petit peu avant Cholet en fait. Voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, hier, on a roulé. C'est la première fois qu'on roulait avec des températures basses. C'est-à-dire 1 degré. Et le bus, il chauffe pas. Il chauffe pas, il chauffe pas, il chauffe pas. Donc j'ai hésité à démonter le Carlosta avec Jean-Philippe, mais j'aurais dû le faire parce qu'en fait, il y a plusieurs modèles. Et je veux voir pourquoi ça chauffe pas. Il y a un problème. Le Carlosta, il doit déconner. Donc j'ai réussi à faire un système avec des tuyaux pour pas mettre de liquide par terre. J'ai mis 3-4 gouttes. Hein, et j'ai rempli un bidon. Et là, je suis encore en train de remplir. J'ai ma durite qui est encore pleine. Donc je finis de vider ça. Je démonte ces 4 petites vis et je vais démonter le Carlosta, voir la tête qu'il a, parce que là, ça va pas du tout, quoi. Je suis à la première barre de chauffe. J'ai même pas d'air chaud qui sort au niveau du radiateur de chauffage. Ça va pas du tout. Le moteur, c'est pas bon. Il tourne trop bas en température. Ça va pas du tout. Voilà. Du coup, tu vas le laisser dans une casserole comme tu fais d'habitude? Non, je vais déjà voir la tête qu'il a. Parce que là, il n'a pas un problème d'ouverture. Quand tu laisses dans une casserole dans l'eau, c'est pour voir s'il s'ouvre bien. Ouais, là, on dirait qu'il reste ouvert ou qu'il y a un problème. Faut que j'ouvre pour voir. Il est un petit peu grippé, non? Peut-être qu'il est grippé, oui, ça se peut. Peut-être que, comme Mika, t'as vu, son joint était tout parti. Il y a le liquide qui passe et c'est pas normal. Voilà. Bon, on va découvrir ensemble. Je suis bien cadré, là, c'est bon? Ouais, c'est action! On va découvrir ensemble. Ça y est, j'ai réussi à tout démonter. J'ai mis une serviette éponge par terre parce que j'ai perdu un tout petit peu de liquide. Mais là, il n'y avait pas le choix, il fallait démonter. Donc on va découvrir ça ensemble. La tête du Carlosta. Savoir si ça va ou pas. Ça se démonte assez bien. C'est souvent qu'on découvre des trucs ensemble, les bandits. Hein, vous avez remarqué ça? Franchement, c'est bien. Hein. Dernière vis. Et on voit ça, le problème, c'est quand je vais démonter le cache, là. C'est que j'espère que je ne vais pas casser le joint. C'est les joints plats, là. Parce que j'ai pas de pâte à joint. Ça, faudrait toujours avoir de la pâte à joint. Pour les moteurs, pour les carters et tout. Ouais. Vous avez vu la gueule du joint, c'est ce que j'avais peur. C'est qu'il s'est un petit peu cassé de partout. Bah non, mais là, c'est qu'on en a pas. Là, remonter ça comme ça, ça va pas être terrible. Et le Carlosta, il se trouve ici. Mais écoutez, il a l'air d'être bien. Hein. Il a l'air de bien fonctionner. Hein. Il a l'air de bien fonctionner. Eh ben écoutez, il a l'air d'être bien. Faudrait que je l'essaye dans une casserole avec de l'eau. Que je fasse chauffer de l'eau dans une casserole pour voir s'il s'ouvre bien. Mais en tous les cas, il est en bon état là. Je pense que ça sert à rien de le changer. On doit avoir un problème ailleurs alors. Ouais, c'est quand même pas normal. C'est quand même pas normal. Bon ben voilà, on a mis le Carlosta là dans une petite casserole avec de l'eau. Et on va voir s'il fonctionne bien. Donc, je suis à 40 degrés là, il devrait s'ouvrir à 87 degrés. Mais il va s'ouvrir, je pense qu'il fonctionne bien, on doit avoir un problème ailleurs. Pas normal que le moteur n'arrive pas à chauffer. Vous voyez comme il s'est ouvert? Voilà. Et là il va se refermer gentiment. Ce qui va refroidir. Donc le Carlosta fonctionne bien, ça coûte entre 60 et 90 euros ce que j'ai vu sur internet. Donc là ça sert à rien de le changer, il fait bien son rôle hein, de robinet.
Et là, tout doucement, il va remonter. Donc, on n'a pas un problème de carlosta, au moins, on le sait. Je vais ramener ça dehors et je vais tout remonter. Bon, bah, je remonte tout et en fait, il y a un bandit qui m'avait donné des cartouches de joint à carter. J'ai jamais vu ça sur une bombe. Je l'avais gardé. Et aussi du nettoyant à carter. C'est trop bien. Je sais pas qui c'est qui m'a donné ça, merci en tout cas. Mais bah du coup j'ai tout ce qu'il faut pour réparer sans mon joint qui est cassé. Donc j'ai tout bien décrassé, j'en ai mis un petit peu sur les deux faces, pas trop hein, pour être sûr que ça colle bien. Pour pas avoir de fuite, parce que ça m'embêterait de avoir des fuites en fait, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas ça me sauve bien la vie là. Voilà. Donc bah, si vous savez d'où est-ce que ça peut venir mon problème, pourquoi mon moteur n'arrive pas à chauffer, et pourquoi dans ma durite de radiateur en haut, j'ai l'eau chaude qui passe alors que le carlostat fonctionne bien, il est censé être fermé. Vous voyez ce que je veux dire, il est censé être fermé, donc c'est pas normal. Je vais faire des tests avec un thermomètre laser, et je vais prendre des mesures. Ah ouais, il a l'air d'être vachement bien joint, oh là là. Et je vais prendre des mesures et on va voir. On a une communauté de fous. Hein. Les gens, ils sont adorables avec nous. Hein. Il y en a, ils sont méchants. Mais la plupart, ils sont adorables. Et les méchants, on n'en parle pas, des méchants. Il faut pas leur donner d'importance, c'est ça. Ils sont méchants, ils sont grognons. Voilà, c'est fait. J'ai remonté le carlostat. Ah, la pâte, elle marche bien, elle sèche vachement vite. Hein. J'espère que ça va pas fuir. C'est bon, j'ai remis du liquide partout, j'ai refermé mes bouchons. Et bien, plus qu'à démarrer. Oh là là, quelle journée. Vous avez vu, on a démonté le carlostat, j'ai remonté tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte sur la vidéo que j'ai mis là sur le carlostat, il commence à s'ouvrir avant les 83 degrés, bien avant, vers 40-50 degrés, il s'ouvre déjà. Donc c'est pour ça, je pense que mon moteur a du mal à refroidir. Alors, on s'est arrêté près d'un garage poids lourd, ils n'en avaient pas, et donc du coup, ils en ont un sur Bordeaux. On y va demain, là il est 18h. Je suis en train de faire un petit peu de montage. Enfin, surtout, j'enlève tous mes rushs. Là, je les mets dans le PC parce qu'en fait, j'étais pas 3 jours. J'avoue, depuis que je fais 2 vidéos par semaine, eh bien, c'est plus compliqué pour moi. Et je sais pas pourquoi. Peut-être que le travail, il était divisé en 3 et maintenant, il est divisé en 2. Donc, ça fait plus de travail. J'ai l'impression. Ou alors, c'est parce que je suis pas encore bien organisé. Mais depuis que je fais 2 vidéos par semaine, je m'en sors moins bien, c'est un truc de malade. J'ai plus de rush, je pense. Ouais, j'ai plus de rush, ouais, c'est peut-être ça. En plus, vous êtes nombreux à me dire, ouais, ça nous manque les 3 vidéos, on était habitués et tout. Alors, je sais pas. Si ça continue à galérer comme ça, ouais, je pense que je referai 3 vidéos par semaine. Mais là, j'avoue, c'est pas pratique. Donc là, ce qu'on fait, je suis en train de m'occuper sur le PC, j'ai énormément de choses à faire. On attend que tout le flot de voitures et tout arrête, parce que là, on va passer Poitiers, on sait que ça va être la galère. Et là, les gens, c'est un truc de fou, c'est la folie. Les stations essence, ouah, les gens ils klaxonnent, il n'y a plus l'essence et tout. Non, mais c'est un truc de malade, quoi. Donc, nous, on a mis tout à l'heure, on a mis hier 300 euros. On peut aller jusqu'à Bordeaux à l'aise. Mais à un moment donné, il faudra qu'on en remette. Donc, bon, on va voir, hein, on stresse pas. Mais là, du coup, j'ai envie de repartir de nuit. Et puis, si on trouve une station, on essaiera de remettre un peu de gasoil. Mais là, non, non, moi, je roule pas avec tous les malades, là. Les gens, ils sont tarés. Enfin, je vous jure, les gens, ils sont tarés, hein, ce soir. Ils sortent du boulot. Il n'y a pas de gasoil, c'est normal, ils sont stressés. Et du coup, non, non, ça va pas du tout. On sent bien que c'est pesant, l'atmosphère. Et moi, j'aime bien rouler tranquille. Donc, on va rouler de nuit, pépère, il n'y aura personne. Et surtout, on va s'enquiller dans Bordeaux de nuit. Donc, ça va être très bien. Parce que Bordeaux, c'est une galère aussi. Quand il est 2h du matin, que tu as encore 1h30 de route à faire, et que tu te poses pour faire une petite pause pour reprendre la route. Et là, tu dis, tiens, je vais pouvoir éteindre mon PC, j'ai fini mon montage. Tu fermes ton logiciel de montage. Coupe tout et en fait tu te rends compte que tu n'avais pas appuyé sur le petit bouton exporter, et là ta vidéo sur la mécanique qui doit sortir mardi, qui fait 35 minutes,
que tu as mis super longtemps à faire, en fait, elle était même pas enregistrée. Et là, tu dis, je suis dégoûté. Ça m'a demandé beaucoup de travail et je suis en train de la recommencer. Mais j'ai pas le courage parce que je suis dégoûté. C'est pas que je suis fatigué, c'est que recommencer quelque chose que je venais de finir et qui était bien, on l'avait contrôlé avec Charlotte, ça nous a pris du temps et ça va pas. Donc, je sais pas, je vais trouver du courage demain, peut-être, je pense. Enfin, bonne nuit. Si vous êtes dans un sommeil profond, ça se trouve. Nous, on reprend la route. Allez, bye bye. Salut à tous. Bon bah là on est arrivé à l'entreprise pour aller chercher notre pièce, notre Carlosta. Salut. Et bah c'est bon, j'ai galéré dans le Porto. Je suis concentré, je me gare. On s'est dit on va partir tard ou on va partir sur le coup des 10 heures quoi pour pas être bouché dans Bordeaux. Mais en fait j'ai l'impression que tu y ailles à 8h, midi ou peu importe, il y a toujours du monde en fait. Et en plus il y a eu un accident sur la N10. C'était une vraie galère. Enfin bref, là c'est bon, on est arrivé, on va attendre que ça ouvre. Et surtout j'espère que je vais pouvoir le changer sur place. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de raison. Je suis garé à un endroit où normalement je gêne pas trop. On est sur le parking de l'entreprise là. Il y en a des bus. Ouais. Oh la vache, il y en a pour... Oh bah lui il a quoi lui? Oh là là. Oh là, bah lui il est en peinture en fait. Ah ouais, il est en peinture. Oh là là. Je sais pas si c'est Bakery, c'est un magasin énorme sur Bordeaux de... Il y avait plein de Iveco. Et là, il y a marqué en gros Iveco bus. J'ai dit à Jérôme, t'es sûr, t'as pas d'autres pièces parce qu'on sait jamais. Je vais voir si je peux ouvrir mon coffre. La galère quoi. Donc, on va essayer de voir avec pour le radiateur hydraulique qu'il a cassé lors de la révision mécanique. Voir le prix parce qu'on a regardé un peu combien ça coûtait sur internet. Mais bon, si on peut l'avoir là. Et puis, ils ont pas mal de pièces en stock. Donc, c'est ça qui est bien. Là, le Carlosta, ils en avaient 3 en stock. Non, 2 en stock. Et il y avait 3 ou 4 euros de plus que sur internet. Bah reste là, et puis s'il faut qu'on bouge, bah... Ouais, parce qu'on aimerait bien changer ça sur place, en fait. Bah ouais, là, il y a des moteurs là-bas. T'as vu, regarde, des moteurs. Ouais, j'ai vu tout à l'heure. Oh là là, c'est énorme. Bah oui, hein. Là, ça, des moteurs de voiture, hein. Là, tu mets ça sur une voiture, là, la voiture, elle gagne. Donc voilà, on va faire tranquillement, on va faire à manger en attendant. Je gêne personne là. De toute façon, moi je vais commencer à démonter. Ouais, mais il me faudra un bidon. Tiens, ils ont des bidons. Là, je suis à côté d'Ébène. Je vais voir si. T'as un gros bidon bleu là-bas. On se retrouve ici. Regardez, j'ai démonté mon Carlosta. Charlotte est partie le chercher. Vous voyez, ça se trouve là le Carlosta sur la pompe à eau. Hop. Voilà. Donc, il s'est tout bien nettoyé, tout bien décapé. Bien sec pour que le joint silicone il colle bien. Le joint qu'on m'a donné là, franchement, comment il marche super bien ce petit joint marron là. Oh là là, la puissance du truc, c'est extra. Il n'y a même pas besoin de remettre de joint papier. Je sais pas s'ils vont fournir avec. Bah, s'ils en fournissent pas avec, je remets du joint à carter. Franchement, il marche super bien. Là, ce que je vais faire, Charlotte, elle va arriver avec le nouveau Carlosta. On va les mettre tous les deux dans une casserole et on va voir s'il y en a un qui souffle plus vite que l'autre. Parce que si lui souffle plus vite que l'autre, ça voudra dire que mon problème venait de là. S'ils souffrent tous les deux en même temps, ça voudra dire qu'on a acheté un Carlosta pour rien et que le problème vient d'ailleurs. Mais espérons que ce soit ça. Bon là, on est à 42 degrés et le vieux Carlosta il commence déjà légèrement à s'ouvrir. Donc c'est pas normal du tout. Il est un petit peu plein. L'ancien, le nouveau, il est tout à fait fermé. On voit bien parce que l'eau elle rentre pas du tout en fait, il est vraiment étanche en plus. Vous voyez la différence entre les deux? J'espère que je cadre bien. Bon, et bah maintenant je me retrouve tout seul. Hein. Le vieux il est déjà ouvert complètement, alors que normal, c'est pas normal. À 70 degrés, c'est pas normal que le vieux soit ouvert. Le nouveau commence à s'ouvrir mais tout doucement. Ça je crois que c'est le même car que l'Odyssée si je dis pas de bêtises. Regardez. Oh là là, lui, il doit être à l'arrêt. Oh, c'est dingue. Après de bons et loyaux services, il doit être à la retraite ici. Je pense que c'est ça qu'il a aménagé l'Odyssée. Hein? Oh là là, eh, c'est haut. Oh, c'est dingue. Ah, c'est super haut, regardez. C'est l'avantage, mais il n'y a pas de soute. Je vais voir ce que c'est comme modèle. Je crois que c'est comme il avait. Hein. Ah, peut-être pas tout à fait. Transbus. Moteur derrière aussi.
Ah, ça va être un bus de ville qui doit marcher au gaz. Bon, bah ça y est. Ça y est, on repart. Franchement, entreprise super sympa. C'est vrai, hein? Ouais, ouais, t'es tombé sur le patron, le grand boss. Ouais, je suis tombée sur le boss et tout. Oh là là, c'est bon, madame, vous avez trouvé tout ce qu'il vous fallait. T'es gentil. Très, très, très gentil. Il avait une petite boîte avec plein de chocolat qu'il a emmené sur moi à ses employés et tout. En tout cas, vraiment gentil. Du coup, là, on repart. Et puis, bah, on s'en va bah, voir nos amis, quelques-uns, des copains et tout. Donc, c'est parti. Toi. C'est clair. Et du coup, je pense que ça va être mieux avec ce Carlosta là. Ouais. Ça va être mieux puisque tu as fait un test dans la casserole et La casserole parle. Donc c'est un 83 degrés et il s'est ouvert à partir de 90 degrés déjà. Non, il s'est ouvert à 80 degrés, pas 90. Théo, il m'a dit entièrement. Entièrement ouvert à 96. Il a commencé à s'ouvrir vers 78-80. Ouais. Alors que là, t'as 50, il était déjà ouvert. 40-50, il commençait à s'ouvrir, quoi. Ah bah ça y est, le moteur est chaud, tu vois. Non. Donc là, on sort tout juste du parking de l'entreprise. Donc Iveco bus, hein, il n'y en a pas. Bakelis, apparemment, est super Bakelis, connu. Bakelis, hein. Ouais. Bakelis, ouais. Bakelis. À Bordeaux. Et franchement, bah nickel, impeccable. Et puis ça nous a coûté 40 balles. Ouais, par contre, le radiateur, on va pas l'acheter là. 50 balles avec le joint. On a demandé pour le radiateur hydraulique, on a fait. Ah, on peut l'avoir demain? Non, mais le commandez pas, c'est pas la peine. 742 € hors taxe. Non, mais on va l'avoir à moins cher, vous inquiétez pas, c'est toujours comme ça. On a encore un bon petit plan pour le radiateur, donc on vous en dira plus quand on le changera. Donc voilà. Allez, on vous dit à plus tard et puis la suite dans les prochains épisodes. À demain! Bon ben voilà, on est arrivé en Gironde. On est en Gironde. Oh non, on est dans les Landes. Ouais, d'accord. On est dans les Landes. On était en Gironde et on est dans les Landes. Voilà, on est dans les Landes. Vous avez vu dans la vidéo, on a réparé le Carlosta. Ça chauffe beaucoup mieux. J'ai gagné 2 bars et maintenant on a du chaud au niveau du tableau de bord. Hein. Ouais, franchement, c'est génial. Je suis toujours embêté avec le radiateur d'huile hydraulique. J'arrive pas à en trouver. Enfin. J'en trouve, ils sont bien en photo et en dimension, je vais pouvoir les adapter, mais j'arrive pas à trouver les diamètres. Et moi, il me faudrait un radiateur d'huile avec 2 tubes qui sortent, diamètre 2 cm extérieur, 20 mm. Et je pense que je pourrais adapter un radiateur de Dodoche, de 2 chevaux, parce qu'ils ont des tubes qui sont directement soudés, je pourrais les couper et venir mettre avec des colliers mes tuyaux directement dessus. Et ce que tu dis pas, c'est qu'à chaque fois que tu as pas. Voilà, ce que tu as dit pas là. C'est qu'ils disent entre 1 et 2 mois d'attente à chaque fois. Donc c'est une galère, donc on ne sait déjà pas où on sera demain, donc dans 2 mois encore moins. Et si on va sur les sites où on trouve la référence, on l'a trouvé au moins cher à 350 €. Moi je ne mets pas 350 € dans un machin comme ça en aluminium. Ça non, faut arrêter. Je vais réussir à me débrouiller, je vais en acheter un et au pire j'essaierai de trouver les raccords. Et puis j'essaierai de faire quelque chose pour que ça tienne. Après là ça va, on est en hiver, c'est pas là où ça chauffe le plus. C'est pas un radiateur qui est hyper important. Après, on a les copains là, qui connaissent une dame qui fait que du FR1. Sur Narbonne. Sur Narbonne. Mais peut-être qu'on ira. Ils ne savent plus son nom. Ouais, c'est une dame qui fait que ça. Ils ont une genre de casse avec des bus et ils ont avec des cars, tout ça. Et ils ont pas mal de FR1 apparemment. Ouais. Voilà, nous, on va vous laisser pour cette petite vidéo. Et on pense qu'on est parti pour attaquer un grand voyage. C'était pas prévu. C'était pas prévu, mais là ça y est, on est dans le sud. Il fait bon, franchement. Vous avez vu, on est en pull. Moi qui suis frileuse. Regardez, je suis en pull. T'as quand même ton écharpe. Ouais, mais je suis en pull. Donc franchement, c'est ça. Ouais. Non, c'est cool. On est venu rejoindre des amis là. Ça va pas durer. Bah voilà, des amis qu'on n'avait pas vus depuis super longtemps. Peut-être que vous verrez bientôt dans mon futur projet, mon gros projet. J'ai un gros projet. Donc voilà, si vous avez compris, là en ce moment, on est en train de voyager un peu dans le sud et en même temps, je suis en train d'organiser mon gros projet et de le réaliser. Mon gros projet. Chut. Vidéo, voilà, vous en saurez plus prochainement. Ça sortira avant Noël, ça sera votre cadeau de Noël parce que vous êtes mignon. Voilà, mais c'est beaucoup de travail. Ouais. On vous laisse. Ah, ouais, je vais avoir un travail de fou là. On vous laisse. Mettez des petits pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner aussi parce que c'est très important sur la chaîne. Et surtout, regardez toutes les vidéos en entier et ne ratez pas les pubs. Merci. Voilà. C'est bien, je suis en train de bien te caler là pour devenir une future commerciale hors pair, tu vas voir. Pour tes parents. Alors, ça fait plaisir de reprendre la route ?
Déjà, je me sens mieux parce que ça, on change de paysage déjà. Ouais. Et c'est très bien. C'est trop bien de voyager. Tu préfères pas retourner à l'école ? Non. Pourquoi ? Je préfère aller à la maison en fait. Tu préfères voyager ? Oui, c'est ça. Et là, je sens que tu te sens plus. T'es moins chiante avec vos frangins et frangines. Pourquoi vous êtes moins chiant quand on prend la route ? Je sais pas, je crois que c'est une habitude à prendre. C'est trop cool. Je vais vous faire aussi une vidéo avec les enfants de ces quatre, avec Julia, Lucie et Théo, parce que Lucas, il peut pas trop parler pour l'instant. Et puis, ça sera une vidéo où les enfants vont, entre guillemets, pas se dévoiler, mais dire qu'est-ce qu'ils pensent de cette vie-là, mais vraiment sans filtre. J'essaierai de leur poser des petites questions pièges et voir, voilà, vous verrez ce que pensent des enfants de cette vie-là, de l'école à la maison, des voyages. Sans rien préparer. Vraiment vous mettre dans la peau des enfants et savoir ce qu'ils pensent dans leur petite tête d'enfant, quoi. Ça te plaît, toi ? Oui. On va faire quoi, là ? On va faire une balade en vélo au bord du port. On va aller voir des petits voiliers, ça va être trop classe. Ouais, en espérant que ça va pas te. Faire de la voile dans des petites barquettes. Moi j'avais trop peur de faire dans les RS parce que déjà c'était grand et puis quand ça penchait, à la limite ça nous emportait alors. Parce que bientôt on va aménager un voilier. Non. C'est bien. Allez, on vous laisse, prenez soin de vous. Allez, gros bisous. À bientôt. Allez, ciao, bye bye. Bisous. Bye.